Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Tai Cygnus, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2 et notre tournoi de présentation du personnage. Nous sommes donc au deuxième tour et nous sommes dans la septième vidéo du deuxième tour. Voilà, je vous propose donc de poursuivre ce tournoi sans perdre plus de temps et de lancer tout de suite les hostilités. Je vous remercie de suivre ces vidéos, de me retrouver sur la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, le chiffre monte petit à petit, c'est très agréable à vous. Voilà, bon bah tout de suite démarrons le premier combat. Alors, ce premier combat va opposer Vegeta en tenue de combat 5 contre Gohan Petit en tenue de démon 3. Alors Vegeta avait éliminé Raditz, une version de Raditz, et Gohan avait éliminé Great Saiyaman, c'est-à-dire qu'il s'était auto-éliminé. On va prendre Vegeta en tenue de combat 5. C'est celle-ci, donc une version sur Namek. Frappe du météore, canon garrick, farap, flash, charge à puissance max, super vague déferlante, vague explosive, Saiyan reste guerrière, contre Sangohan petit démon 3, c'est celui-là, bah lui aussi c'est la tenue de Namek finalement, frappe du météore, Mazenko, super yard, charge d'énergie, super vague déferlante, super saut, avant, meurt, et bah puisqu'ils sont tous les deux en tenue Namek, on va aller se battre sur Namek. Plutôt logique. Et vous auriez pris Vegeta ou Gohan? Mettez-le moi en espace commentaire. Saiyajin to Chikyujin no konketsu wa tsuyoi n daro? Misete miro yo. Alors, les petits personnages comme Gohan sont toujours plutôt difficiles à choper. Donc il faut pas se louper. Au sol ça va, mais c'est souvent quand on est en combat aérien. Il m'a bien fait mal là sur ce coup là, je dois dire. La super vague déferlante est passée. Alors là, on a eu du pot. Bon, pour le moment, sans crier victoire trop vite. Ça se passe plutôt bien pour nous. Je dis ça au moment où je m'en prends une. Voilà, bah, j'ai parlé trop vite, vous voyez. Il est en train de me mettre la misère. On compte. Et il a esquivé. Ah, il reprend du poil de la bête, le petit. Plus serré que je ne le pensais, il pourrait très bien gagner. Ah vache, il m'a fait mal là. Mais ça va, on se le finit là-dessus. On a profité de son attaque pour en lancer une, mais on a morflé, hein. Je pensais pas que ça serait si serré, mais bon. Finalement, logiquement, plus les combats, les tours vont avancer, plus les combats seront serrés. C'est donc une victoire de Vegeta qui se qualifie pour le troisième tour. Au
Aujourd'hui, le deuxième combat va opposer Sangoku avec le G de Tortue Géniale sans symbole 2 contre Gotenks en tenue métamol 1. Alors, Sangoku avait éliminé Toa et Gotenks avait éliminé une autre version de Raditz. On va se prendre Goku. Je suis pas fan de Gotenks en fait. Alors on a dit J de Tortue Géniale sans symbole 2, c'est celui-ci. Voilà. Il a donc Super Point de Dieu, Kamehameha, Téléportation, Charge à Puissance Max Kamehameha, Enchaîné Kamehameha, Téléporté, Retraite de Tir Étendu, Super Saiyan, Déchaîne Ta Force, Vas-y. Et Gotenks. Où est-ce qu'il est? Il est là. Tenue de métamol. Tenue de métamol 1, c'est celui-là. Crash du météore, beignet galactique super, fantôme kamikaze, charge maximum, Kamehameha, enchaîné super fantôme kamikaze, retraite de tir étendu super saiyan. Super Gotenks, le justicier. Et on va aller se battre au palais divin, le Dende. Ou du tout puissant. Petite référence à l'arc-bout, quand Goku a appris à Goten et Trunks la fusion. Ça devrait être un beau combat, je pense. On doit être sous le palais carrément. On va en profiter pour se transformer. Je n'ai pas passé mes soucis. On balance un petit Kamea. Kamehameha téléporté qui fait bien mal. Sympa cette petite version de Goku. Téléportation qui sert pas grand chose, je dois dire. Enfin, en tout cas, pour moi, peut-être que avec un niveau supérieur, c'est très utile. Ouh, il fait mal ce petit point de vieux. Allez, on va essayer de le finir tranquillement sans se faire trop locher. Je ne veux pas. Ah, il s'est mis dedans, mais ça n'a pas suffi. On finira juste par un petit coup de poing. C'est une victoire plutôt tranquille de Goku. Sympa cette forme de Goku, je kiffe. Elle se qualifie donc pour le second tour, qualification de Goku, non le troisième tour, qualification de Goku face à Gotenks. Et tout de suite, la suite de ce deuxième tour avec la troisième combat du jour. Et ce troisième combat va opposer Trunks en tenue de Capsule Corp 3 face à Vegeto en J2. Alors Trunks avait éliminé Broly super méchant. Et Vegeto avait éliminé très facilement Navel. On va plutôt prendre Vegeto, hein, parce que c'est un personnage qui a beaucoup moins de forme que Trunks finalement. Vegeto qui est là. Alors on a dit J2. Donc c'est celui-ci. Alors, super point du dragon, Kamehameha, téléportation, vague de Kiko à charger. Super Kamehameha, épée spirituelle, explosion spirituelle, super saiyan, c'est super Vegeto. Voilà, et Trunks du futur. Où est-ce qu'il est Trunks du futur? Je croyais qu'il était plutôt par là, avec Zamasu et compagnie. Il est là, voilà.
On a dit tenue de capsule corp 3. C'est celui-là. Lumière tranchante, Mazenko, morsure du soleil, charge maximum, épée de l'espoir, super. Canon Garrick, retraite de tir, étendue, super, Saiyan 2, envoyez-moi votre puissance. Et on va se battre dans les ruines, hein, quand c'est Trunks, les ruines, ça me paraît pas mal. Voilà, ruines de futur en ruine. Des beaux combats pour le moment. Dans cette 7ème vidéo du 2ème tour, vous pouvez me dire ce que vous en pensez en espace commentaire. Quel combat vous préférez? Ou non? Celui que vous avez moins aimé et compagnie. Je kiffe le style de Végéto, la tenue. Ça c'était le super point du dragon qui a fait mal. Ah, retourne-toi ou pas. Les petites épées spirituelles qui passent bien. Ouf. Et le super Kamehameha qui passe bien aussi. Ça, c'est vraiment un gros perso, peut-être l'un des favoris du tournoi, qui sait. Enfin, je dis ça, ça se trouve, je vais perdre. Bien joué, Trunks se défend bien, après tout, il fait aussi partie des favoris. Donc. Ou disons des bons outsiders, en tout cas, si c'est pas un favori. Ah, par contre, quand on prend un Kamehameha de plein fouet, bah, bien sûr, ça fait mal. Mais non, il n'y a pas photo. Franchement, la Végéto, trop classe, trop victoire. Trop victoire. Trop victoire, trop facile. Voilà, c'est trop. Victoire de Végéto, qualification. Pour le troisième tour de la fusion Metamol. Non, pas Metamol, la fusion Potala. Entre Végéta et Goku. Et tout de suite, eh bien, quatrième combat. Un quatrième combat qui va opposer de nouveau Goku en Jutsu Tortue Génial sans symbole 4 contre Freezer première forme. Là, je crois qu'il n'y a pas photo. Ça sera du Goku. Hop, sans symbole 4. C'est celui-là, c'est celui de finalement de l'arc Bou, enfin du début de l'arc Bou. Crash du météore, Kamehameha, téléportation, charge à puissance max, Kamehameha, enchaîné, Kamehameha, téléporté, explosion spirituelle, Super Saiyan, pas habitué à cette forme. Et donc, mince, je me suis porté le bouton. Sans symbole 4. Et Freezer, première forme. Freezer première forme, voilà, c'est celui-là. Taillade de la mort, rayon mortel, onde de choc, signe de l'empereur, supernova, attaque psychique, je ne te pardonnerai jamais. Et on va aller se battre, pourquoi se battrait-on pas dans la ville de l'Ouest, ça changerait. Goku versus Frieza, les ennemis de l'éternel. Frieza, ome o buttosu. Saiyajin wa ippiki mo ikashite wa okimasen yo.
avec la petite auréole sur Goku comme vous pouvez le voir. Alors que Freezer a décidé d'y aller d'entrée de jeu à fond. Mais on va pas se laisser faire. Ouais, il se défend bien. Malgré la différence de niveau sous ses formes en tout cas. Crash du météore qui passe toujours bien. Ah hey. Je ne suis jamais sous-estimé l'ampleur du mal finalement. Ça suffit. Tout commence à me saouler. Oh, il m'a fait mal là. Ah, je me fais larter, je me fais latter. Il n'arrête pas, n'arrête pas. Super Saiyan 3. Kamehameha téléporté, mais qui n'a pas suffi. Il se défend, hein, il se défend, et c'est plutôt moi qui suis malmené malgré mon Super Saiyan 3. Ça suffit comme ça. C'est serré. Allez, fini, on va peut-être être un peu répétitif, mais tant pis, on n'a pas trop le choix. Ouf. Non, je ne perdrai pas, je ne peux pas perdre. Je refuse de perdre, t'as compris ? Je refuse de perdre contre toi. Ah. Ouf. Victoire sur le fil, mais je suis pas fier, c'est pas très glorieux. Insultez-moi en commentaire, allez-y, insultez-moi. Victoire de Goku contre Freezer, mais bon, allez, on va dire que c'était un baroud d'honneur pour cette forme de Freezer. L'essentiel, je dois dire, c'est la qualification. Voilà, Goku qui passe pour le troisième tour. Et donc, cet avant-dernier combat aujourd'hui opposera Tenshinhan en uniforme 2 contre Pan en t-shirt rouge 1. Tenshinhan avait éliminé Trunks avec son manteau et Pan avait éliminé Lee Shenron. On va se prendre Tenshinhan. Car il n'a pas démérité contre Vados, mais a été éliminé sous une autre forme. Donc on a dit uniforme 2 pour Tenshinhan. Frappe du météore, Kiko, accélération spirituelle, vague de Kiko à charger, super vague déferlante, Shin Kiko, super saut avant. Ah. Et Pan. Elle est là, en t-shirt rouge. 1. Crash du météore, Kamehameha, feinte de tir, prépare-toi pour la punition, super vague déferlante, explosion. Virginale, explosion féminine, je te déteste. Et on va se battre sur le Tenkaichi Budokai. Tenshinhan contre la, fils de la fille de Gohan et Videl. Qu'est-ce que ça va donner? J'aime beaucoup Tenshinhan, je trouve que c'est un personnage qui a vraiment été trop sous-estimé dans Dragon Ball Z, alors qu'il aurait pu largement il avait de quoi faire quoi, il a quand même
je veux dire, en un entraînement chez Kaio, il a atteint le niveau de... Enfin, pas chez Kaio. D'abord, chez le Tout-Puissant, il a atteint le niveau de Raditz. Quand même, pour un terrien, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, quand il est revenu de chez Kaio, il a atteint une puissance qui lui a permis de... quand même... de retenir... celle sous sa deuxième forme, le temps que ses 18 aillent se cacher. Comme je trouve quand même qu'il aurait mérité un traitement plus glorieux. Voilà. Elle m'a bien laté la petite là. À mon tour. Elle l'a esquivé. Mais ce n'est que partie remise. Il y a un sympa petit jeu de jambes. Elle a évité ma frappe du météore. Mais c'était que partie remise finalement. Elle m'a dans le dos. Allez, on va se la finir comme ça. Et voilà, un petit coup de manchette pour finir. Qui passe bien, victoire de Tenshinhan. Qui se qualifie pour le troisième tour, ce qui est plutôt pas mal hein, pour ce type de personnage. Voilà. Un terrien qui sera au moins au troisième tour. Et on passe tout de suite au dernier combat de cette vidéo. Et donc le dernier combat aujourd'hui va opposer Goku en guise de tortue avec le symbole de Goku 1 contre Thalès. Alors on a déjà pris plusieurs fois Goku. Aujourd'hui on va se prendre Thalès pour changer masse. Tempête éclair, marteau pilon mortel, fruit de l'arbre sacré, super val, déférent de coup, météore. Frappe destructrice celui-là, je l'ai senti. Ok. Et Goku. C'est celui-là. Frappe du météore, Kamehameha, saut arrière, charge à puissance max, Kamiho. Kaioken, Kamea parvint, super Kamehameha, explosion spirituelle, Kaioken, je dois tenir encore un peu. Voilà Goku. On va se battre dans l'arbre sacré, sous l'arbre sacré, pour faire un petit remake du film. Contre Thalès. Et on lance ce dernier combat du jour. Joli contre de Goku pour commencer. Ça, je pense que ça va jouer pas mal au corps à corps. Parce que les techniques de Thalès, je suis pas super super fan. Donc ça va être pas mal de lâchage. Voilà, comme ça. C'est un peu monotone, je l'avoue. Oh, il m'a mis un stamina break, c'est pas passé. Et là, je risque de morfler pas mal. Ah, énergie. L'endurance qui ne remonte pas. La santé qui baisse. Par contre, ce coup-ci, elle est passée. Referai pas deux fois la même erreur. Non, vous en faites d'autres. Ah, j'ai dû prendre, je me suis trompé, il a bouffé le fruit de l'arbre sacré et c'était pas du tout ce que je voulais faire. C'est fini, oui.
Allez, on se finit encore à corps. Tant pis si c'est pas Jojo. Allez, encore un petit coup. Voilà. Victoire de Thalès contre Goku. Et on va conclure donc là-dessus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager. Vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne. Vous pouvez mettre des petits commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et de nouvelles aventures. Salut tout le monde, à plus, ciao. Merci d'avoir suivi.